Il y a une caméra, soit. Là. N'hésitez pas à dire si c'est pas assez fort. Est-ce que tout le monde entend? Oui. Oui. Ok. Voilà, je représente juste le théâtre du marché au grain qui a été partenaire sur le spectacle. Le comédien Rémi n'est pas là aujourd'hui, hein, mais je le représente aussi. Donc, je remercie beaucoup les enfants pour leur travail, les enseignants qui ont encadré le projet, et Rémi, bien sûr, qui, du coup, est l'intervenant de cette pièce. Donc, ensemble. Voilà. Et nous, on est très heureux d'avoir participé à ce projet avec les enseignants. Je donne la parole. D'accord. Alors, je vous remercie d'être venus aussi nombreux. Pour voir ce qu'on fait aux enfants, les petits-enfants, il y a pas mal de familles. Donc nous aussi, on voulait remercier Rémi Brénière qui a passé 15 jours avec nous. 15 jours où on a fait un travail important. Les enfants ont découvert des choses et toutes ces choses-là, ils vont vous les présenter ce soir. On voulait remercier Olivier et puis Caroline du Théâtre du Marché au Grain de Bouxwiller. Lucie, notre intervenante de musique, qui participe aussi ce soir. On voulait également remercier l'APECO, l'Association des parents d'élèves de l'école d'Otterstal, qui vont vous proposer de bonnes tartes flambées après ce spectacle. La commune d'Otterstal et tous les parents d'élèves en général. Donc le principe de ce spectacle ce soir, c'est un spectacle itinérant, de plein air. Donc, on avait commandé le beau temps, c'est beau, on l'a eu. Il n'y a pas de micro, sauf les deux que vous voyez là, qui vont être pour les maternelles, mais sinon, il n'y a pas de micro. Donc, si vous voulez entendre le spectacle, il va falloir faire le moins de bruit possible, s'il vous plaît. Et également respecter les limites qui sont marquées par les plots. Donc, déjà, toutes les personnes qui sont là vont devoir se déplacer par ici. Là, on a besoin de l'espace de ce côté-là. Non, de l'autre côté. Donc, on a essayé de mettre un peu des flots pour matérialiser la ligne. Il faudra juste aussi laisser un peu de place parce qu'il y aura la maîtresse de maternelle tout à l'heure qui va rajouter un peu là. Désolée, ça va être... Il y a les plots, là. Il faudra que vous soyez derrière. Là-bas aussi, ça va passer. Donc, je continue mon petit speech. Donc, pareil, il y a des grands, il y a des petits. Il faudra essayer de vous faufiler. Dès que le spectacle est terminé, les enfants seront sous la responsabilité des parents. Donc, on va peut-être certains ont déjà fait les casquettes dans les camps maternels et les couverts. Et après, voilà, vous pouvez les garder avec vous. Merci d'éteindre vos portables et on vous souhaite un bon spectacle. Oui, ça fait ça, hein. Thank you.
dans un petit village nommé Odersal. Les élèves de la classe de Madame Engel se retrouvent. Très loin, là-bas, au centre, bien au-delà de l'Afrique et des pays chauds. À l'ouest de ce grand continent que l'on appelle l'Europe, dans un pays que l'on appelle la France, existe la région Grand Est, là où il fait souvent froid, et là où la neige s'installe en hiver. Connaissent des températures élevées.
Saint-Ange. Quant à moi, je suis une Alsacienne qui vient d'Odertal. Non, non, je m'égare. Lisbeth, écoute, trop bref, plutôt. Je suis Lisbeth, Eureka, j'ai enfin trouvé. Je suis Lisbeth, une jeune
Thank you.
Bienvenue au Japon. Avec nous, nous allons faire un ami. Nous allons regarder les cerises en fleurs. Thank you.
cette cocotte. I'm gonna
Voici mes hôtes de Akua. C'est copains d'école. Ils vont danser pour toi. À New York, je suis allée dans la série jaune.
entendu les sirènes des pompiers. À New York, moi j'ai entendu du jazz. Moi, à New York, je suis rentrée dans la grande roue. À New York, je suis montée dans un téléphérique jaune. À New York, moi, j'ai serré la main à un chauffeur de taxi jaune. À New York, j'ai entendu une chorale de gospel à Harlem. À New York, j'ai mangé chinois à Chinatown. À New York, moi, j'ai vu un tableau au MoMA. À New York, moi, j'ai vu le Flatiron. À New York, moi, j'ai vu l'aéroport JF Kennedy. Attention, attention, l'avion en provenance de Hawaï va atterrir à New York. Attention, attention, veuillez attacher vos ceintures. Lisette, Léo. Et c'est l'œil. Bonjour Lisbeth, bienvenue à Big Apple. Big Apple. Si je me suis trompée, je pensais être à New York. Tu es bien à New York, Big Apple, c'est juste son surnom. Ce surnom a été donné par des musiciens de jazz noir. Qui en arrivant à New York avait une boule aussi grosse qu'une pomme dans la gorge. Tellement ils étaient impressionnés par la taille de la ville et par tous ces gens. Et Léo, tu m'emmènes voir la statue de la liberté? Bien sûr, regarde, c'est magique. Waouh, elle est gigantesque. Je me sens toute petite. Savais-tu que la statue de la liberté a été offerte par la France pour lier l'amitié entre la France et les États-Unis? Et moi, je t'offre cette petite statue de la liberté. Merci. Moi, je t'offre une grosse bretelle. Merci, elle est délicieuse. Thank you.
Pour un pays autrefois, c'était la Lorraine.
De Charline, c'est la maman de Lilou. Je veux retourner à Outerstal.
it, check it. Ça va aller, c'est gentil. L'étiquette s'est achetée là-bas.